Je voulais dire les amis, je ne sais pas si vous avez remarqué, il faut savoir que ici, comparé à la Chine, en Chine là-bas, même si le vêtement ou le sac, peu importe, est d'une collection précédente, ils continuent quand même à commercialiser ça. Alors qu'ici, ce n'est pas ça. Ici, on suit vraiment la mode, on suit vraiment les grands magasins. Quand il y a un produit qui sort là-bas, ici directement, ils le refont. Ils le gardent 1 an, 6 mois, et ensuite, on ne vend plus. Bonjour mes internautes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, deuxième jour en Turquie, franchement, là, je viens de me lever, j'ai pris une douche et je suis en train de me préparer parce qu'il y a ma collaboratrice qui m'attend en bas. Elle est déjà là d'ailleurs. Et on va prendre le petit déjeuner et puis commencer les courses, commencer à visiter les usines, les places où on peut acheter de la marchandise à un très très bon prix. Donc là, je me prépare. Alors, je vais légèrement me maquiller. Parce que moi, hein, faut que je ressemble à quelque chose. Donc, je vous emmène avec moi aujourd'hui. Ça va être une journée intense. Mais ça va aller, ça va aller. On sera ensemble. Et puis voilà. Voilà, les amis. Donc, là, je me prépare. Franchement, j'ai très mal dormi. Je sais pas pourquoi. Bon, peut-être vu que c'était ma première nuit ici, en tout cas j'ai très très mal dormi. J'espère que ce soir je vais mieux dormir. Espérons-le, espérons-le. Là, je vais mettre un peu de poudre. Je vais mettre un peu de poudre, histoire de réveiller mon teint. Et puis voilà. Bref, à tout de suite. Ah Les amis, quand tu arrives dans un pays, surtout pour le business, hein, c'est très important de trouver les bons bureaux d'échange. Hein? Par exemple, ici, là, il te change à un prix vraiment très très bien. Comparé si tu échanges ta monnaie à l'aéroport. À l'aéroport, ça coûte super cher. Si tu échanges dans ton pays de là où tu es, hein, ça te revient également très cher. Donc, très important de bien choisir son bureau d'échange. C'est bon, hein? Il y a un truc aussi que j'aimerais vous montrer, les amis, c'est les internet. Pour les personnes qui veulent avoir internet partout, quand vous arrivez, vous pouvez directement acheter du crédit dans des places comme ça, dans des boutiques comme ça. Par exemple, là, ils disent pour les touristes, vous avez la carte SIM à 200 minutes d'appel et 20 gigas internet pour vous. Vous voyez? Quand c'est dans les villes comme ça vous revient moins cher que quand vous achetez à l'aéroport. L'aéroport, ça coûte super cher. Je me souviens, le monsieur, il m'a dit 65 $ juste pour une puce. Vous voyez? Juste pour une puce. Mais bon, moi je prends pas de puce généralement parce que j'en ai pas besoin. Mais au cas où, si vous avez besoin d'une puce, allez acheter dans des shops comme ça. Dans des shops comme ça, c'est bien. On est là. Pour 22 dollars. Oui.
Orange. Super. Tu veux tenir sur les deux là, je t'embête hein. Pardon madame. Ouais, c'est bon. Merci. Vous savez, ici en Turquie, c'est pareil, ça garde le même principe qu'en Chine. Tout est une question de catégorie et de vos moyens. Hein. Là, on est vraiment sur des boutiques pour les grandes dames. Les grandes dames, vraiment, les gens qui ont les moyens, hein, les moyens pour acheter des vêtements entre 80 et plus, $80 et plus, vous voyez. Là, comme vous remarquez, là, les vêtements, ce n'est pas les vêtements qu'on voit un peu partout, hein, c'est vraiment des vêtements... Avec un bon pouvoir d'achat, vous voyez. Là, on est vraiment dans la catégorie haute, vous voyez. Dans la catégorie haute pour les grandes dames. Ce qui est bien ici, c'est qu'il faut savoir que les vêtements sont conçus également pour les femmes fortes. Ça, c'est très bien pour les femmes fortes. Parce qu'on sait que dans la communauté africaine, les femmes sont un peu hein, en forme. Ce qui est bien, hein. Les femmes sont en forme, donc il faut des vêtements adaptés à leur taille. Et ici, vraiment, c'est ça que j'aime. Je vois vraiment des vêtements pour les femmes, fortes, grande taille. Vous ne serez pas déçus. Quoi. Donc, vous pouvez vous habiller au top. Vous pouvez très bien vous habiller, même si vous êtes en forme. Hein? Même si physiquement, vous êtes en forme, vous pouvez très, très bien vous habiller. Donc là, je vous montre. Hein. Ça, c'est vraiment pour les grandes dames. Les grandes dames. C'est pas... Oh, non, non, non. Si c'est pas pour les petites filles, les grandes dames, vraiment. Vous voyez. Quand ils sont pas. On va bien faire. Good morning. Good morning. How are you? I'm fine and you? Fine, thank you. Thank you. Vous remarquez les amis, ici on est sur des ensembles. Hein. Ici il y a beaucoup d'ensembles.
Donc vous avez le haut, le bas, les chaussures, plus le sac. Vous êtes vraiment sur l'ensemble. Et ça, c'est très bien. Hein? Ça vous permet d'avoir une tenue complète. Et voilà. Ici, ça se vend également en gros. Hein? Ça se vend en gros. Et franchement, c'est très, très, très intéressant. C'est très beau. Là, vraiment, je vois des choses. Il faut, si tu as les moyens, tu peux commencer ce genre d'activité. Si tu as les moyens, parce qu'il faut un bon fond de départ pour ce genre d'activité. En tout cas, pour acheter ce type de marchandises. Franchement, les amis, une très bonne idée business, c'est vous lancer dans la vente de tout ce qui est vêtements pour les grandes dames. Hein? Les personnes qui sont un peu fortes, hein, les personnes fortes, les femmes fortes. Franchement, c'est une très, très, très bonne activité. Là, je vois des choses, des très belles choses pour les femmes fortes, pour les femmes volumineuses. Mais les vêtements sont comme ça, des ensembles et tout. Et ben, așteaptă, dragă. Nu așteaptă, dragă. Și nu găsim mai multe diferențe. Cam am nevoie. De ce, dragă? Ui, noia! Cum vrei? Cum vrei? Dacă vrei, așa ne dăm. Dacă vrei, eu. Dă-i eu. Dă-i eu. Dă-i eu. Dă-i eu. Da, și tu. Da, dragă, înseamnă... Da, înseamnă... 200 de mii, 240 de mii. Deci dă eu unul. Chiar că și eu nu știu. Da. Este la bugen. Da. Dă eu un gen. Les amis, je vais vous montrer une chose. Hein. Vous qui voulez commencer une activité en Occident, une chose que vous pouvez commencer, là l'été arrive. Tout ce qui est sandales, sandales de marque, ça marche très bien. Là on est sur les Christian Dior, comme ça vous voyez. Vous voyez, des claquettes comme ça, Christian Dior. Les amis, ça, ça marche. Surtout en France, Londres, Allemagne. Vous voyez, là on est sur Hermès. Hermès, franchement. C'est très, très bien. C'est une très bonne activité si vous êtes si vous habitez en Occident. Ça, facilement, ici, vous pouvez l'avoir à 10 dollars.
vous pouvez facilement le revendre à 50-60 $. Hein. Ah oui, les amis. Tout ce qui est claquette, vous voyez. Tout ce qui est sandales comme ça. Christian Dior. Regardez ça. Est-ce que vous avez Hermès aussi? Oui, il y en a. Il y a tout. Fais-moi voir les Hermès, s'il te plaît. Ça, c'est combien? Une minute. Ah, ben, vous n'êtes pas là? $8. Vous voyez? Ça aussi, c'est les $8 aussi. Hein. Ah, donc, les Chloé comme ça, vous l'avez pour $8, les amis. $8. C'est Chanel. C'est toi qui cherches. Oui, mais si tu peux aller m'envoyer, le gars. Parce que depuis l'argent, là, le truc, c'est quoi? C'est avoir ce qu'on appelle le coup d'œil pour choisir les bons produits avec la bonne qualité. Vous pourrez facilement le revendre en Occident. En France, vous pouvez facilement revendre ce type de marchandise. Un sac comme ça, vous pouvez l'avoir à 10, vous le revendez à 150. Facile. Facile. Vous voyez? Il faut avoir le coup d'œil pour prendre vraiment les produits phares, les produits qui partiront très vite, très rapidement. Vous voyez? Je prends un exemple, par exemple, de ce sac. De ce sac-là, Christian Dior. Ça, vous pouvez facilement le revendre à 200 €. 200 € en Occident, vous pouvez facilement le revendre. Et pour les gens qui se demandent, mais Yamarta, comment on fait pour faire rentrer tout ça? Il faut rentrer en contact avec moi. Parce que moi, je sais. Nous, on le fait. On sait comment on fait. Mais on ne peut pas dire ça sur Internet parce qu'on ne sait pas qui regarde, qui écoute. Vous voyez? Tout ce qui est sac, claquettes. En Occident, ça se vend très bien. En plus, vous pouvez vendre ça cher. Cher. So many reasons why I want it for you, my love. You do to make me no. This distance is taking a hold on me for sure. Baby, come. All I want to make me day. And I want to make you no. I feel like make you low. Oh no. All I want to make me day. Oh no. And I want to make you low. Oh no. I feel like make you low. Pull over, come on, pull over. Shaping out this kind of things where they make man see ya. And me, I understand, so your dad don't like me rara. Say me, I won't make you know, say me there for you, gara. And if not deprived me that, I feel like to see ya. I never trade you for nothing. This love will make it's love will make it with a sharp and sheen. Without you, I never do nothing. Without you, without you. Bingo. I never treated you, baby. This love is making me this nothing. No. I'ma go tell me what this all been gone. I'ma hurt you, make you dead. I'ma kill you, I'ma make you. Baby, ever let make you. Oh, baby, oh no. Bonjour. Ok,
Batu oturmadan vitrine baksana oraya vitrine var diye. Güvene peki tut be. Ama patatesden de güzel. Alo. Çık troka balansiyara var. Satmışım ya. Bu sabah satıyor kadın. Bana mı? Bu kadar mı? Hı? Abi yukarıda. Ya. Kahve mi? Kahve kare mi? Les amis, quand tu arrives en Turquie, il faut savoir bien s'entourer. Parce que comme je vous dis, il y a qualité, il y a qualité, il y a qualité. Hein? Quand tu travailles avec nous, nous on est vraiment dans la haute qualité. La haute qualité. Ce magasin que je vous montre ici, sachez que tout ce qui est grande marque fabrique leurs vêtements ici en Turquie. Les grandes marques fabriquent leurs vêtements ici en Turquie. Vous voyez, et le reste de ce qui reste en matière, etc. Et eux, ils font de la contrefaçon avec, donc ils font
Ils font des produits avec les restes des matières qui restent lorsqu'ils finissent de faire la vraie marque, vous voyez. Vous voyez, les amis. Donc, ici, c'est vraiment la qualité. La qualité, les amis. La qualité. Voilà. Il arrive. Oh, ça me sert. Je suis là. 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 Je Bon les amis, pour cette deuxième vidéo, toujours à Istanbul en Turquie, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour cette deuxième vidéo. On se retrouve dans la troisième vidéo. Donc surtout, suivez bien les étapes, hein. Suivez bien les épisodes. Donc là, on a fini la deuxième partie, on arrive à la troisième partie. Je vous laisse vous reconnecter dans la troisième partie. En tout cas, on est toujours là. Toujours là les amis. Super important d'avoir un réseau, les amis. Super important. Parce que ce type de magasin, tout le monde ne connaît pas. Il y a des gens qui vivent ici, mais ne connaissent pas les endroits. Hein, les endroits où il faut acheter. Ne connaissent pas les tuyaux pour faire sortir la marchandise. Hein. Alors que chez nous, on vous garantit vraiment... On vous garantit l'acheminement de vos produits, de tout ce que vous voulez prendre ici, en fait. Hein, vous voyez. Donc voilà, on se retrouve dans notre troisième vidéo. À tout à l'heure.